tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi, les midi et quart. Regardez. Est-ce que vous voyez la petite punaise là dehors? Et ben, elle était dedans. Et je supporte pas ça, j'aime pas ça. Et c'est qui l'a sortie? Oh, j'en peux plus. Aaron il l'a sortie. T'es trop fort. Elle est trop forte. Aaron, c'est qui l'a sorti? C'est toi? Elle était l'âme de la maison, hein? Du coup, voilà, il l'a sorti. Il a pris le rideau parce que t'es sur le rideau. Il l'a pris avec son doigt, il l'a mis dehors, au top. Parce que je veux pas lui inculquer la peur du bête, hein. Mais moi, clairement, je peux pas. Et je l'aurais pas laissé si c'était dangereux, hein. Mais la punaise, ça craint rien. C'est juste moi qui supporte pas quand elle se met à voler. Donc voilà. Allez, on va manger! Coucou, bon moi je vous reprends, il est 14h30, on a été après le repas faire 2-3 courses parce qu'il faut que je fasse les courses pour demain, donc il n'y a plus grand chose, donc on a été prendre du croûton, comme vous voyez là, et 2-3 trucs dont une pâte à tarte parce qu'on a plein de pommes, qu'on va se faire une petite tarte aux pommes toutes les deux. Aaron est à la sieste, c'est pour ça que je parle doucement. Les tartes aux pommes. Bah si elle adore, tant mieux. Du coup, je mets une base de compote en fait avec des pommes et un peu de cannelle et un peu de sucre. Et c'est très 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 simple. Et la pâte à tarte. Vous allez voir, de toute façon, on va vous montrer les étapes. Mais je fais quelque chose de très rapide, mais de très bon. J'ai mis le four également à préchauffer. Je vous montre ça. What are you saying? Time and the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. What are you saying? Not the
time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way. Petite tarte pomme avant de partir au four, donc là elle va partir tranquillement. Maman, elle est finie, la tarte pomme. Oui, tu me donnes. Bonjour, il est 19h, les petits ont fini de manger. Julien vient de rentrer du boulot, ils sont en train de trier les feutres. On va monter, la mister elle est couchée. Aaron, tu peux me le donner s'il te plaît, ton biberon? C'est le biberon de ce matin apparemment qui était sous la table basse, on n'avait pas vu. Ah oui, tu me donnes. Et Julien, non, bah non, c'est pas bon. Bah, miam miam, sérieux. La pile électrique. Il a revêtu sa chemise. Mon bleu de travail, mon pantalon bleu de travail. Reprise, comment ça a été? Ça va. Ça va. On t'a pas trop manqué. Qui vous? Qui vous? Qui? Qui d'autre? Qui d'autre? Je sais pas, tu me dis on c'est impersonnel. Je sais, il y en a. Ta famille? Allez, vas-y, va en chercher. Non, je peux pas les attraper, ils sont en dessous du meuble. Qui c'est qui les a mis là? Aaron. Quand? Quand la table était comme ça, et qu'on la dernière fois, on avait acheté les nouveaux plus chouettes, c'était ceux-là, les nouveaux. Non, c'était pas aujourd'hui. D'accord. Et alors après, là et là, alors on les a perdus en dessous. Faut que tu essayes de les attraper avec quelque chose. Il me faudrait quoi à ton avis? Et tu viens? Il a mis les chaussons d'Alistair. Montre à Ren les chaussons. Oh là là, mais c'est pas à toi ça. Et tu es bien dedans? Celle-là, elle pourrait tenir. Alistair? La cuillère, une fois que tu l'as utilisée, tu la remets pas dans le tiroir. Hein. Bon, allez. Bon, moi je reprends dans mon bureau, il est 20h37, je sors de la douche, j'ai monté le vlog de demain, je vais faire ma miniature. Julien est en train de faire le poisson, j'avais fait le riz de brocoli, il restait le poisson, donc il est en train de le faire. Doucement, mais sûrement. Et la journée touchera bientôt à sa fin. C'était une bonne journée. Les petits ont été relativement sages aujourd'hui, donc c'est plutôt agréable. J'ai l'impression que j'ai attrapé un rhume. Je sais jamais quand c'est mes allergies ou un rhume, mais j'ai l'impression que là c'est un rhume. C'est embêtant. Mais c'est comme ça. Demain j'ai rendez-vous pour faire mes ongles et j'ai hâte parce qu'ils sont poussés, mais c'est vraiment embêtant. Bon, je voulais juste pour moi 10. Sur une étoile, sur elle reste en tête cette chanson, je vous jure, ça fait des jours et des jours qu'on l'a en tête. Dans un vieux grenier, je veux découvrir ton visage. Oui, à toi. Où l'amour est né, on va s'aimer. Voilà, une star est née, je suis là. A star is born. Ah, yes, I was born today. Tu rêverais d'être une star, de chanter sur scène avec ta guitare. Dis-leur toute la vérité, rien que la vérité. Si les petits dormaient pas, je ressortais la guitare, je ferais ça sans. Ouais, mais si les petits dormaient pas. Ouais. Voilà. Bon, du coup, on va passer à table. Au menu, donc comme je vous avais dit, donc, c'est au brocoli. Menu, aujourd'hui, c'est du riz fait à base de plantation d'herbes. On a planté des arbres dans l'assiette et voilà le résultat. Donc, suffisant. Ouais, je voulais t'aller mon riz, mais bon, c'est suffisant. Oui, mais t'es en train de casser l'arbre. Voilà, en fait, on a fait. Voilà, c'est. Non, il a fait son délire. À base de tout végétation avec des petits arbustes dans l'assiette.
C'est un arbuste signé brocoli et un petit poisson. Donc on l'a pêché, il était pané celui-là déjà quand on l'a pêché. Donc vous voyez, c'est produit du terroir. Hein. Ça va pas. Hein. Deux steaks hachés. Je peux vous raconter l'histoire de ces deux steaks. Donc en fait, à la base, je me suis dit, il reste encore des petits arbustes et il reste encore du riz. Et je me suis dit, je vais faire ma boîte pour demain. J'ai ouvert le congé, j'ai vu qu'il y avait des steaks hachés. T'aurais quand même pu je me suis dit, je pars. Tais-toi. Ah, il m'énerve quand il fait ça. Donc je me suis dit, tu me fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, par là, mon pied. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais en faire un pour demain midi. Et quitte à en faire un et salir une poêle, autant en faire deux et j'en aurai un pour ce soir, je serai content. Oui, parce que ça, plus ça, c'est un peu trop light. Ça, le poisson, c'est sympa, mais avec un steak, c'est encore mieux. Et du coup, je me suis rendu compte que demain midi, en fait, j'étais là. Parce que je travaille que de matin, donc je fais 6h, 13h demain. Ouais. Donc du coup, quand c'est comme ça, je prépare pas ma boîte à l'avance. Donc je verrai demain ce qu'il y a. Donc du coup, j'ai mis les deux steaks dans mon assiette et je me suis dit que ça passerait très très bien et que j'étais content. C'était un signe du destin, il voulait que je mange deux steaks hachés aujourd'hui. Ouais, voilà, mon estomac frétille, il en peut plus, il remue la queue. Remue la queue. Il remue la queue, il en a pas. Dans tous les sens, enfin, bon, bref, voilà. C'est bien ça. Il en peut plus. Une compensation. Je suis fou de vous. Fou tout court, non? Hein? T'es fou tout court. Je suis fou tout court. Allez. Parce que j'ai les cheveux coupés. Alors, je suis fou tout court. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse parce que la connerie, ça suffit. Donc, je vais vous clôturer ce vlog. Je crois que je suis malade. C'est embêtant. Je sais jamais, c'est le rhume. Je suis des malades. Un peu de rhume, la couleur de cheveux, les gènes. T'as l'enfoiré, le rhume, la couleur de cheveux, c'est quoi le rapport avec ma couleur de cheveux? Parce que je savais que c'est que ça te pose des problèmes. Le pire, c'est que en ce moment, je me trouve bien que cette couleur de cheveux. Alors, ok, là, j'ai les cheveux bouclés et je suis pas. Si, elle est bien, mais à chaque fois que je te dis elle est bien, tu me dis. Alors, bah là, ça va. En ce moment, ça va. Lycée, ça va. Et aujourd'hui, ça va. Ouais, par contre, les ongles, là, ça va pas. Suite, mais... là, ça va. Mmh. Non, là, ils sont bouclés, mais bon. Je vais aller faire mes ongles demain, ça va être cool. Quoi? C'est un problème? Bref, on va vous laisser. Allez, bon appétit, on espère que ce vlog vous aura plu. On vous fait des bisous et on vous dit à demain.